Quelles seraient les consignes à mettre en place quand on va appliquer l'approche par compétence, la pédagogie de projet ou le radical learning à la réalisation d'une tâche finale qui serait une forêt? C'est horrible parce que j'entends pas le son à part des miams de temps en temps qui pop. Horrible. Peut-être pas si horrible dans mon retour son chez moi aussi. Hein. Mais le pire, malin, c'est que le son est coupé, mais j'entends quand même les miams. Quoi? Ah oui, c'est normal parce que j'ai partagé l'audio de l'ordinateur. Ok, donc c'est-à-dire qu'il y a seulement les sons de l'ordinateur pour qu'on puisse entendre, ok. Bah, quand je coupe leur micro, oui. Tic-tac.
Bonjour à tous et désolé pour ce léger retard. Bienvenue dans l'épisode 2 de notre série de 4 webinaires du MOOC Embarquez vos apprenants en destination pédagogie active, un partenariat réalisé entre le pôle Léonard de Vinci et la Grande École du Numérique. Alors, dans cet épisode 2, nous allons parler des pédagogies actives et notamment, enfin, de la pédagogie active et notamment de plusieurs approches avec un focus sur l'approche par compétences, le radical learning et la pédagogie de projet. Donc, on espère que vous avez tous fait vos devoirs, que vous avez bien suivi la séquence 2 du MOOC, puisque ce webinaire est un webinaire participatif et gamifié. Et donc, vous allez devoir répondre tout au long de ce webinaire à des quiz et des sondages. Donc, quand vous entendrez ce son, ce sera le temps du quiz. Il faudra alors sortir votre smartphone, ce que je vous invite à faire dès à présent, et à flasher un QR code. Donc, si vous avez des téléphones de dernière génération, normalement, cette application est native dans votre appareil photo. Mais pour tous les autres, communs des mortels, vous pouvez aussi télécharger une application de QR Code Reader sur votre store. Je vous invite à le faire tout de suite, si vous ne l'avez pas fait depuis le début du Covid, pour pouvoir nous rejoindre sur nos quiz et sondages. Alors, petite musique de transition. On vous arrive tous. C'est ça. Pour vous accompagner tout au long de ce webinaire, différentes personnes, et notamment Arnaud Linzer, qui est l'auteur principal de ce MOOC et chef de projet Digital Learning au Pôle Léonard de Vinci. Bonjour à tous. Bonjour Arnaud. Mais également moi-même, Cora Beck, directrice du département Innovation et Pédagogie Digitale du Pôle Léonard de Vinci. Et notre invité du jour, Thierry de l'École. Thierry, vous êtes directeur du développement des programmes du Pôle Léonard de Vinci, mais également directeur de l'IM, l'Institut de l'Internet et du Multimédia, l'une des 3 écoles de formation initiale du Pôle Léonard de Vinci. Alors, bonjour Thierry. Bonjour à tous. Et merci pour l'invitation. Bienvenue sur ce webinaire. Je le redis, merci pour cette invitation. Avec plaisir, et on espère que tu pourras apporter des conseils, mais aussi de ton expérience à nos MOOCers qui nous suivent aujourd'hui. Alors, sans transition, au programme, au menu du jour, Arnaud, que vas-tu nous présenter ? Alors, au menu, donc en apéritif, nous allons faire un petit retour sur la séquence 2 et sur les notions de pédagogie active. Et puis en entrée, on verra la pédagogie au sein du MOOC, pourquoi, le comment. En plat principal, quelques approches pédagogiques, à savoir l'approche par compétences, la pédagogie de projet ainsi que le radical learning. Et en dessert, nous vous avons préparé une forêt noire. Alors retenez bien cette image de la forêt noire dans vos têtes, puisque ceux qui voudront découvrir le pourquoi de cette forêt noire devront suivre ce webinaire jusqu'au bout. Voilà, donc c'est on vous l'a dit, participatif et gamifié. Et donc l'objectif ici, c'est de découvrir cette forêt noire. Mais c'est déjà le temps du quiz. Alors, on vous l'a dit, c'est un webinaire qui est participatif. Pour vous engager tout de suite dans notre rencontre, on vous invite à sortir vos smartphones et à flasher le QR code suivant. Alors, excusez-moi, je... problème technique, je dois me connecter. Ah, ça, c'est la magie du direct. Ou la loi de « on prépare tout avant, mais quand on arrive au jour J, ça plante ». Alors, c'est pas grave. Donc, ce premier quiz porte sur une... Donc, on est sur l'application WooClap, que vous avez déjà découvert dans le webinaire numéro 1, mais également à travers le MOOC. Donc, ce premier quiz porte sur la situation pédagogique et où
se trouve l'apprenant dans le cadre de cette situation pédagogique quand on est dans la pédagogie active. Donc, vous allez voir apparaître un schéma où vous avez différentes notions, des notions que vous avez vues dans le MOOC, et vous allez devoir pointer sur l'image WCLAP l'endroit où se trouve l'apprenant dans cette situation. Alors, je ne peux absolument pas me connecter, mais en revanche, je peux partager mon écran. Est-ce que Benjamin, je peux partager mon écran? Donnez-nous deux petites secondes. Il faut vous connecter via ce PC. Ok, bon, c'est pas grave. On va pas faire ce quiz, on va continuer. Alors, c'est dommage parce que c'était un quiz super sympa. Enfin, c'était plutôt un petit quiz booster. Donc, alors, qu'est-ce qu'un quiz booster? C'est un quiz qui porte sur les connaissances que vous avez dû normalement acquérir au sein de la séquence 2. Et l'objectif, là, c'était un peu de booster vos connaissances sur ce que vous avez vu. Donc, l'apprenant se situe évidemment au centre de la situation pédagogique, entre l'enseignant, le savoir. Et c'est la relation entre l'apprenant et le savoir qui est renforcée dans la pédagogie active. Alors, pour revenir sur la pédagogie active, on vous a préparé également un petit récap. Hop. Bon, alors là, il n'y a plus rien qui marche. Benjamin, je ne peux plus, même plus présenter mon PowerPoint. On est en train de se connecter à WCLAP. Non. On va vous mettre une petite musique de suspense parce que ça fait toujours du bien et ça va nous détendre un peu. Hein. Alors, petit récap sur la pédagogie active, la pédagogie que vous avez vue au sein du MOOC. Donc, pour rappel, on a vu... ah, ça y est, ça marche? Oui! Oui! Ah, excusez-nous. Bon. Alors, alors, je vais lancer, excusez-nous, hein. Le WCLAP, normalement... Ah. Alors, est-ce que ça marche de ton côté, Benjamin? Toujours pas. Alors, deux petites secondes. Ah, ça y est. Bon, j'espère que certains d'entre vous étaient là au webinaire 1 et pourront témoigner du fait que ça marchait au premier webinaire. Mais, ah, voilà, ok. Donc, J'ai pas eu d'identifiant. Bon, bah, c'est pas grave. Tant pis pour ce superbe quiz booster que vous ne verrez, dont vous ne verrez jamais la couleur. Petit récap sur la pédagogie active. Alors Arnaud, pourquoi est-ce qu'on a proposé ce quiz et pourquoi est-ce que l'apprenant est au centre de la situation d'apprentissage, de la situation pédagogique dans la pédagogie active? Oui, alors vous vous souvenez dans le MOOC, on avait vu la définition du triangle de Husay et puis je vous avais, enfin, on avait pointé ensemble le fait que dans la pédagogie active, la place de l'apprenant était différente, mais elle était au centre de l'apprentissage. Donc, pour la mise en œuvre de la pédagogie active, revenons sur quelques points. Elle doit s'appuyer sur des situations pédagogiques proches de la réalité et qui ont du sens. Elle doit permettre aussi une transposition facile dans la vie quotidienne avec des tâches proches de la réalité, afin d'engager et de motiver les apprenants. Et pour ce faire, il faut bien entendu avoir des activités et des modalités pédagogiques variées. Alors, c'est ce que nous avons essayé de faire dans ce MOOC. Pour revenir un peu sur ce que nous avons fait durant les différents challenges. Voilà, donc en fait, on a essayé, nous, dans la construction, dans la modélisation, la scénarisation du MOOC, Embarquer vos apprenants, destination de pédagogie active,
de mettre en pratique les recommandations qu'on vous proposait aussi au sein des séquences. Donc, on a construit ce MOOC pour faciliter votre engagement, mais aussi la mise en place de challenges sur des situations et des cas très pratiques et concrets qui se rapprochent beaucoup de, enfin, qui sont censés se rapprocher de votre pratique ou de votre public. Donc, dans toute gestion de projet, hein, on commence d'abord par analyser ses besoins, les attentes et son public cible. Et c'est pour ça qu'on vous a proposé dans la première séquence de réaliser le persona du formateur moderne, du formateur aujourd'hui, mais également de mieux saisir et de mieux cerner les différents profils d'apprentissage de vos apprenants en fonction de la génération dont ils sont issus, mais également en fonction du profil de l'apprenant moderne intergénérationnel. Donc, une fois que vous avez pu cibler bien votre public et ses attentes, l'objectif, c'est de pouvoir adapter votre contenu à ces attentes-là. Et donc, on a décidé de partir du macro vers le micro et de vous faire repenser votre syllabus avec l'approche par compétence. Donc, on part vraiment de l'ensemble de vos contenus, hein, de cours, de votre syllabus. Et c'est pour ça qu'on vous a mis, on vous a donné accès au site pour le découvrir ou le redécouvrir, le site France Compétences. Et vous faire intégrer donc le nom de la formation ou du métier pour lequel vous allez former vos apprenants, le faire intégrer, vous faire découvrir les différentes modalités proposées par France Compétences et notamment l'approche par bloc de compétences, les référentiels de compétences associées ainsi que les évaluations des compétences et les livrables qui sont attendus pour chaque bloc ou en évaluation finale. Donc l'objectif, c'était vraiment pour vous de repenser votre syllabus via l'approche par compétences et ensuite, au sein de cette approche, de proposer des contenus plus basés sur la multimodalité. Donc c'est la troisième challenge dans la séquence 3, où là, on vous demande de scénariser une séquence, donc plusieurs séances associées, les unes après les autres, pour proposer différentes modalités de cours, hein, du présentiel, du distanciel, du synchrone, de l'asynchrone, de la modéliser sur un outil visuel, sur un outil de whiteboarding. Le dernier challenge est basé donc, du coup, sur vraiment le micro, le dernier grain qui est vraiment la séance de cours. Et là, l'objectif, c'est de la gamifier pour engager vos apprenants. Donc vous voyez, on vous a proposé en fait un déroulé qui est très pratique et qui est censé s'adapter à votre situation en tant que formateur, avec non seulement des outils, mais aussi des ressources qui sont contextualisées et le plus proche possible de votre situation d'enseignement ou de votre réel. Donc, différentes modalités d'échange aussi, d'interaction sont proposées à travers le MOOC. On est beaucoup dans de l'asynchrone hein, sur les MOOC, donc c'est pour ça qu'on vous proposait aussi ces webinaires pour faire entrer cette modalité de synchronicité, pour qu'on puisse se rencontrer et discuter. Mais on a voilà, des forums, des challenges, on a ici des quiz, maintenant le webinaire. Donc en fait, on a essayé d'être très multimodal aussi dans notre scénarisation, mais aussi dans les ressources qu'on vous a proposées. Voilà, donc si vous souhaitez nous faire des retours sur cette mise en pratique de nos recommandations au sein du MOOC, n'hésitez pas à le faire dans le chat, on vous répondra. À propos des challenges, notamment, merci pour la richesse des posts sur le Padlet ou sur le forum. À l'écran, je vous ai fait une petite capture du deuxième challenge, donc qui consistait à aller sur France Compétences, comme le disait Cora, et à aller déterminer les blocs pour la formation dont vous êtes en charge. Très intéressant, merci. Et nous allons voir dès à présent. Et je peux lancer le prochain quiz parce que je vais partager avec vous dans le chat le code et normalement ça devrait marcher. Donc, du quiz, je le partage dans le chat. Alors, on croise les doigts. On espère que ça va marcher parce que ça serait vraiment dommage que vous n'ayez pas accès à nos différents quiz. Alors, est-ce que vous allez pouvoir... Ouais, on ne va pas voir du coup les réponses. Alors, peut-être que je vais pouvoir y accéder par le PowerPoint. Donc, l'adresse, pardon, c'est www.wooklab.com/MOOC2.
W2. Et normalement... Ah, alors il me demande encore de me connecter, décidément. On va y arriver. C'est un problème de SSO, peut-être que tu n'as pas dans le dans le dans les paramètres. Oui, normalement c'est bon, c'est juste que... Ah, vous avez accès à la question du coup dans le... Parce qu'on a des informations qui nous viennent de... Ah voilà, ok. Donc... Alors la question n'est pas lancée, mais normalement, oui, tout est okay. Normal. Vous y avez accès, super. Je peux... alors... Je voudrais bien un retour dans le chat, hein, si vous pouvez me dire. Alors, on ne va pas revenir sur la première question parce qu'on ne l'a pas lancée. Donc, je vais passer directement à la deuxième question, si vous le voulez bien. Et une fois que vous êtes connecté, normalement, vous avez la possibilité d'accéder à la deuxième question. Je vais relancer et normalement, c'est bon. Alors peut-être, est-ce que tu peux nous mettre le QR code pour le flasher ? C'est parti, on le couche pas en même temps que... Je vais accéder... Ah, j'écris moi. Super, ça marche. Ça marche, ça marche. Alors... Vous avez ici, vous devez associer donc la pédagogie, l'approche pédagogique à sa mise en situation pratique. Donc, on vous a proposé une consigne ou une activité, une tâche qui doit être réalisée. Et donc, vous devez l'associer à son approche pédagogique. Donc, vous avez pédaprojet, radical learning ou approche par compétences et vous devez choisir entre A, B et C. Donc, A, un enseignant en ingénierie demande à ses apprenants de construire un pont sans apport théorique préalable. Les apprenants échouent à le construire, le pont s'écroule dès le premier passage d'un véhicule. L'enseignant revient sur leurs erreurs et propose alors un contenu théorique. Les apprenants reconstruisent le pont, l'enseignant évalue le travail des apprenants à la suite. Alors, à votre avis, quelle approche est-ce ? Attention, ça va vite, il vous reste plus de 40 secondes, j'ai relancé, hein, mais... Ensuite... Qui se... Non, j'ai déjà des réponses. Deuxième proposition. Alors, non, c'est terminé. Alors, voir les réponses. Ensemble. Je sais que le temps était un peu court, je suis désolée. Alors, la pédagogie de projet, on va repasser. Donc, la situation, je vous répète la situation à l'oral. Donc, un enseignant propose un hackathon intitulé « La gamification au service de la diversité ». Les apprenants sont répartis en équipes. Ils doivent, à la fin d'un sprint d'une semaine, rendre un livrable, c'est-à-dire un plan de communication digitale avec un process de gamification. Et le livrable est évalué par un jury. Donc il s'agissait effectivement de pédagogie de projet. On retrouve les caractéristiques de la pédagogie de projet, à savoir un sprint, donc sur une durée délimitée. Ensuite, vous aviez la situation où un enseignant en ingénierie demande à ses apprenants de construire un pont sans apport théorique. Les apprenants échouent à le construire, donc le pont s'écroule. L'enseignant revient sur leurs erreurs et propose alors un contenu théorique. Les apprenants reconstruisent le pont et l'enseignant évalue le travail à la suite de leur construction. Donc il s'agissait du radical learning. Vous vous souvenez dans la vidéo de Clément Duhart, il avait fait ce petit parallèle avec le pont. Donc la dernière situation, c'est la situation où un enseignant en master informatique demande à ses apprenants de développer un logiciel en utilisant un langage adapté au problème et en mettant en œuvre les structures données adaptées à ce problème. Et l'enseignant évalue le livrable final en contexte professionnel. Il s'agissait de l'approche compétence. Ouais, donc ces différentes approches ne sont pas forcément toujours faciles à mettre en place et à différencier.
Pour bien les comprendre, c'est un peu l'objectif aujourd'hui de ce webinaire, c'est de revenir sur les similitudes et les différences de ces approches et comment est-ce qu'on les applique. Alors justement, c'est le temps de donner la parole à notre invité, Thierry de l'École. Donc Thierry, pourquoi l'approche par compétences est-elle si importante aujourd'hui ? Quels en sont les enjeux pour les apprenants, mais également pour les institutions et les enseignants ? C'est une bonne question. En fait, l'approche par compétences montre, je vais essayer de l'illustrer, en fait, c'est un changement de paradigme en fait, en termes d'enseignement. Ça ne veut pas dire qu'on ne le faisait pas avant et beaucoup d'enseignants évaluer des compétences, mais il est vrai que souvent il est plus facile quand on est dans un système pensé autour de notes et on avance quand on a validé 10 sur 20 et qu'on acquiert des crédits par rapport à 10 sur 20, il peut être très tentant de vouloir valider par un QCM que l'étudiant a bien saisit les éléments importants du cours. Donc là, on serait sur l'évaluation de connaissances. Donc, l'évaluation de connaissances, on en a besoin et on peut avoir des éléments de connaissances qui sont très importants. Et si on n'a pas les connaissances, on aura du mal à mettre en œuvre des compétences après. Mais il est vrai que quand on forme un chef de projet digital, est-ce qu'on veut qu'il soit bon en théorie de gestion de projet ou est-ce qu'on veut qu'il soit capable de conduire un projet ? Et en fait, quand on se pose la question des activités et des compétences nécessaires pour assurer ces activités, on rentre dans une approche par compétences. Et ça amène à repenser les maquettes pédagogiques et l'enchaînement des cours par rapport à quel est l'objectif du cours et comment je vais évaluer ce cours. Par exemple, si vous suivez un cours de HTML, vous allez apprendre à faire du code HTML. Si vous mettez du code HTML dans une approche par compétences, où on se dit que l'idée, c'est de répondre à des standards de développement web qui permettront à des gens déficients visuels d'avoir des tablettes qui interpréteront le code en braille proprement ou d'avoir des logiciels qui liront à haute voix le contenu d'une page web. Si vos balises en termes de développement ont bien été conçues et respectent des standards, c'est beaucoup plus facile pour les interpréter derrière. Donc, l'idée, c'est est-ce qu'on veut que la personne sache faire du code HTML ou est-ce qu'on veut que la personne soit capable de développer une page web qui réponde à des standards ? Et en fait, quand on rentre dans une logique par compétences, on va se poser la question, si ça doit répondre à des standards, il faut connaître les standards, savoir les appliquer, et du coup, quand je vais lire le code, est-ce que le code répond aux standards ? Donc, c'est une approche qui vise à s'interroger sur, à la fin du cours, qu'est-ce qu'on veut que l'étudiant soit en capacité de faire ? Pas forcément de connaître, mais de faire. Voilà. Et pourquoi ? Donc, ça, c'est l'approche par compétences. Et cette approche par compétences, c'est l'approche qu'on retrouve sur l'ensemble des titres RNCP qui sont déposés chez France Compétences, notamment, et sur lequel un métier est décrit en activité et ces activités sont subdivisées en un ensemble de compétences. Et votre référentiel d'évaluation des activités et des compétences doit prévoir votre capacité à mesurer ses compétences avec des mises en situation professionnelle. Mais je pense qu'on parlera un peu plus tard d'un exemple concret. Tout à fait. Quels sont les enjeux aujourd'hui pour les institutions, Thierry, sur la mise en place justement de repenser les programmes selon une approche par compétences ? Est-ce que c'est obligatoire ? Est-ce que ça va influer justement sur l'obtention de grades, de master ou de titres RNCP, par exemple ? Depuis la loi de réforme sur l'orientation professionnelle, l'idée sous-jacente est de rendre les parcours de formation lisibles et de faciliter les passerelles, on va dire, d'un programme à un autre ou d'avoir des compétences qu'on va pouvoir cumuler et en multipliant l'acquisition de compétences, donc de blocs de compétences, on peut aller jusqu'à obtenir des diplômes. Aujourd'hui, chaque métier pédagogique, qu'on soit sur un grade de master pour une école de management qui dépend du MESRI ou un diplôme d'ingénieur pour une école de management qui passe par la CETI et donc le MESRI, ou qu'on soit sur une école spécialisée qui ne
délivre que des titres RNCP, on doit tous réfléchir à transformer nos maquettes pédagogiques en compétences. Ça ne veut pas dire qu'avoir obtenu les 60 ECTS, ça ne veut pas dire qu'il y a une correspondance linéaire entre les ECTS, les notes et les compétences. Ça serait trop facile, mais on doit identifier des points de passage obligés. On va pouvoir s'assurer que quelqu'un a obtenu une compétence. Et c'est vrai qu'il y a, il y a une question sur la pédagogie par projet. Si votre compétence est de la gestion de projet, mettre en place un projet permet de mesurer qu'on a bien atteint les compétences liées à la conduite de projet. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, pour revenir à la question de Cora, pour pouvoir déposer un dossier et obtenir l'agrément d'exercer une formation, qu'elle soit grade de master, diplôme d'ingénieur ou France Compétences, on doit définir un référentiel d'évaluation et des compétences. Et, voilà, c'est un passage obligé et ça nous oblige à réfléchir à nos modalités pédagogiques jusqu'à l'évaluation des compétences. Voilà. Un QCM, ça évalue très bien des connaissances. La réalisation d'un projet, ça évalue très bien la capacité à mettre en œuvre un projet. Il n'y a pas de son, quoi. Et donc, merci beaucoup Thierry pour ton intervention. Donc, c'est bien au sein de cette approche par compétence qu'on va pouvoir la décliner en fait en proposant des tâches aux étudiants selon soit une approche de projet, par exemple une pédagogie de projet, soit du radical learning ou de la pédagogie plus traditionnelle évidemment, hein. Mais là dans le cadre de ce webinaire, c'était vraiment ces différentes approches dont on voulait vous parler. On va revenir avec Thierry sur ces différentes approches tout à l'heure, puisque Thierry est là non seulement en tant que directeur du développement des programmes, donc c'est avec cette casquette-là qu'on lui posait la question de l'approche par compétences et des enjeux pour les institutions aujourd'hui. Mais on va aussi lui poser la question en tant qu'enseignant sur comment est-ce qu'il déploie les différentes approches pédagogiques dont on parle dans ses cours à lui en tant qu'enseignant. Alors, pour poursuivre, j'espère que ça va marcher. On croise les doigts parce que là, on commence un peu à paniquer depuis le début. Une petite musique de suspense parce que c'est le temps du quiz. Alors, c'est plus qu'un quiz, c'est même un sondage. Donc là, c'est plutôt à vous de nous dire quelles sont vos pratiques à vous. Quelle approche pédagogique mettez-vous déjà en place dans vos cours, dans vos différentes séances? Est-ce que vous avez déjà appliqué l'approche par compétences à vos syllabus? Est-ce que vous pratiquez le radical learning ou la pédagogie de projet? Alors allez-y, vous allez pouvoir flasher le QR code et si tout se passe bien, accédez au quiz, au sondage sur WooClap. Je vois déjà 19 personnes connectées. Vous pouvez aussi rafraîchir la page. C'est toujours le même code, hein, si jamais vous accédez à internet, wooclap.com/MOOC W2. Et c'est parti. Alors, je comprends pas pourquoi je ne veux pas relancer le quiz à partir Alors, de chez moi. C'est parce que c'est Benji qui le... C'est notre technicien qui lance les sondages maintenant à distance. Donc, du coup, il faut relancer, Benji, le sondage pour qu'on puisse y avoir accès. Non, c'est le petit cadenas en bas. Ouais, alors vous avez... Oui, c'est... Normalement, vous avez... Ok. Quelques minutes de plus. Le cadenas. C'est bon, il reste 40 secondes. Ça y est, c'est bon. D'accord, merci. Donc, allez-y. Il vous reste un peu de temps pour... je vous mets un petit chrono pour vous mettre la pression. Benji, est-ce qu'entre-temps, tu peux rafraîchir ta page? Voilà, donc là, on voit arriver vos réponses. Donc, vous êtes... apparemment une majorité avoir sélectionné l'approche par compétence. Attention, plus que 10 secondes à ceux qui souhaiteraient se connecter.
Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Et voilà, c'était la fin du quiz. Alors, la catégorie qui se ressemble le plus, qui a le plus... C'est pas actualisé, Benji. Donc, c'est l'approche par compétence. Vous êtes 71% à avoir déjà mis en place cette approche dans vos classes. Donc, c'est la première chose par laquelle, c'est la chose par laquelle il faut commencer. Donc, c'est parfait. La pédagogie de projet, ensuite aussi, vous êtes 65% à avoir indiqué déjà mettre en place la pédagogie de projet dans vos classes. Radical learning, beaucoup moins, puisque vous n'êtes que 12% à l'avoir sélectionné. Et 9%, aucune de celles mentionnées. D'accord, donc radical learning, c'est assez nouveau. Hein, c'est pas que c'est nouveau, mais c'est assez peu connu encore comme approche. C'est très radical, hein, comme le nom l'indique. Donc, c'est aussi assez complexe à mettre en place. On va y revenir tout de suite. Mais en tout cas, on n'est pas étonné de ces résultats, puisque c'est ce que nous, on observe autour de nous, parmi les enseignants du pôle Léonard de Vinci, mais aussi nos collègues ailleurs, sur ce type de mise en place de nouvelles pédagogies dans vos cours. Alors, on vous l'avait promis... Elle arrive, la forêt noire, attention, bien, ah vous y attendez pas à celui-là, hein. Alors pourquoi est-ce que on parle de forêt noire aujourd'hui? On s'est dit que c'était pas évident de saisir la différence entre ces différentes approches pédagogiques, ni comment est-ce qu'on les mettait en place dans ces classes. Donc, on a choisi une allégorie, celle de la forêt noire. Vous êtes des formateurs, on l'a vu dans les forums, dans vos posts sur les Padlets aussi. Vous êtes des personnes avec des profils très différents. Vous enseignez des matières très différentes les unes des autres. Vos publics sont très différents. Et donc, pour pouvoir parler à tous, on a choisi quelque chose qui nous rassemble, la gastronomie et notamment les desserts. Je ne sais pas si vous avez une sweet tooth, mais en tout cas, nous, oui, au pôle Léonard de Vinci. Et donc, on s'est dit que la forêt noire, ça pourrait non seulement vous intriguer, mais aussi vous parler. Et donc, on a décidé de proposer trois types d'activités. Donc, la tâche finale est la même pour vos apprenants. Donc, la tâche, ça sera réaliser une forêt noire. Mais l'approche pédagogique et la manière d'y arriver va être différée selon l'approche que vous aurez choisie, que ce soit l'approche par compétence, le radical learning ou la pédagogie de projet. Et donc, l'objectif, là, un peu de cette activité, c'est que vous... compreniez bien les similitudes et les différences entre ces différentes approches, mais qu'en réalité, le livrable final est le même, c'est la forêt noire. Alors Arnaud, je te passe la parole pour nous détailler en fait ces différentes approches selon le livrable final. Oui, alors on va commencer par l'approche par compétence. Donc dans le contexte du CAP pâtissier avec un niveau de qualification de niveau 3 au RNCP, je vous ai mis le code juste à côté. Donc la tâche, comme le disait Cora, c'est la confection d'une forêt noire. Pour pouvoir confectionner cette forêt noire... Et non pas la confession d'une forêt noire. C'est pas mal, la confession d'une forêt noire par Arnaud et Cora. La confection d'une forêt noire, il faut avoir travaillé avec les apprenants le bloc 1, donc à savoir la production de la pâtisserie, avec la réalisation des préparations, des entrées. Et le bloc numéro 2 qui consiste à travailler le chocolat, donc la maîtrise de base du chocolat, etc., etc., sa cuisson. Or, donc il faut avoir travaillé ces deux blocs de compétences pour pouvoir ensuite confectionner cette forêt noire. Et la mise en situation pour l'évaluation, c'est une mise en situation de pratique professionnelle avec une durée impartie. Vous allez très vite comprendre la différence donc, avec une pédagogie de projet. Donc, le cours est organisé un petit peu différemment. Ici, on a organisé le cours comme un concours de pâtisserie, la tâche étant la même, donc la confection noire. Par équipe de 3, c'est un petit peu différent. Il y a un jury à la fin qui va attribuer des prix aux meilleures forêts noires. Un coach est assigné à chaque équipe, et les équipes ont 2 heures, comme précédemment.
Au sein des équipes, les rôles sont également répartis. Il y a un pâtissier pardon, qui s'occupe de la génoise, un autre qui s'occupe du chocolat, un autre qui s'occupe de la crème chantilly. Et les trois s'occupent à la fin du montage et de la décoration. Évaluation, idem, c'est une mise en situation de pratique professionnelle avec une évaluation selon différents critères, goût, présentation, texture, travers, etc. Marche en avant pour ceux qui connaissent les principes de la cuisine. Pour le radical learning, le contexte est un cours de pâtisserie, tâche identique, à disposition par la réalisation. Attention, un petit peu orchestré différemment parce que tous les ingrédients, tous les ustensiles, le four est dans un même lieu, dans un lieu qu'on appelle le laboratoire de cuisine, et les ustensiles sont à partager par tous. Donc les apprenants doivent réaliser la forêt noire dans ce même espace. Ils ont le droit d'échanger entre pairs, de se documenter avec des livres de cuisine, des recettes en ligne, etc. Mais il n'y a pas eu d'apport théorique pour le moment. Donc bien sûr, des problèmes émergent sur la cuisson, la découpe de la génoise, la texture de la crème chantilly, vous pouvez imaginer, trop d'œufs, pas de blanc monté en neige, l'écorce de chocolat, la constitution du sirop, etc. À ce moment-là, l'enseignant revient sur les problèmes en apportant cette fois-ci des éléments théoriques. Donc il faut bien monter ces blancs en neige pour la génoise, etc. Les apprenants recommencent la réalisation de la forêt noire avec l'aide de leur père et de leur enseignant. Et l'évaluation se fait après cette deuxième pratique, en quelque sorte, toujours de manière professionnelle. Voilà, donc là, on est vraiment plus dans un contexte itératif hein, de essai-erreur. Donc, on va lancer les apprenants dans la piscine ou en leur demandant de nager tout seul. C'est vraiment ça, la métaphore du radical learning. Et donc, ils vont être mis devant une tâche à réaliser, mais ils vont devoir le faire seuls, ou en tout cas avec assez peu d'explications. Ils vont devoir le faire en groupe aussi, puisque l'acculturation au sein du groupe est une des étapes primordiales à la mise en place du radical learning. Et voilà, donc on est vraiment, évidemment, ils vont échouer la première fois, mais le fait de ensuite se centrer sur la résolution des erreurs avec l'enseignant va leur permettre d'apprendre mieux, plus rapidement et vraiment en contexte. Donc on est vraiment dans le learning by doing et l'essai-erreur avec le radical learning. Donc vous voyez, ces trois approches ont une tâche, un livrable final identique, mais la manière d'y arriver diffère dépendamment de l'approche pédagogique qu'on aura choisie. On est toujours dans de la pédagogie active puisque c'est l'apprenant qui fait quelque chose, on lui demande de faire et on va ici évaluer ses compétences à le faire et pas non seulement ses connaissances, pardon, mais on a différents moyens de parvenir à ses fins. Voilà. Et je rajouterais, parce qu'il y avait une petite question dans le chat, on peut tout à fait combiner les approches, hein. Elles sont liées au sein d'un même cours, on peut faire une activité en radical learning et une autre par projet sans problème. Tout à fait, oui. Donc on espère que cette petite allégorie imagée de la forêt noire a pu permettre à ceux d'entre vous qui n'étaient pas toujours très, très sûrs en fait, de la différence entre ces trois approches, de mieux cerner à travers la tâche qu'on a proposée et les consignes qui sont données, les différences entre ces trois approches et comment est-ce qu'on va pouvoir les mettre en place dans une pratique de classe. Alors, justement, à ce sujet, on va laisser la parole à Thierry. Thierry, oui, en tant qu'enseignant, quelle approche pédagogique est-ce que tu mets en place dans tes classes? Est-ce qu'il y en a une que tu préfères par rapport à l'autre et quelles difficultés ou est-ce que tu peux rencontrer sur quoi est-ce que tu vas t'appuyer En fait, je vais faire. Je pense qu'on a tous le même problème en tant qu'enseignant, c'est garder l'attention des étudiants, ou en tout cas la capter. Voilà. Donc, en fonction des publics aussi, quand on intervient. Moi, j'interviens sur des publics qui peuvent être parfois avec déjà un peu d'expérience professionnelle ou en fin de cycle master, par exemple. Il est clair que j'aime bien commencer des cours, et souvent, c'est assez intéressant,
L'étudiant n'a pas encore eu les bases théoriques et il arrive et je lui donne un exercice, enfin, généralement à faire en groupe. Donc c'est du radical learning. Ils ne connaissent pas encore le contenu réel du cours, ils ont un titre de cours, éventuellement le syllabus, s'ils ont fait partie des étudiants studieux qui ont été le lire. Et je commence par un mini cas, enfin, deux pages de cas, quelques questions. Parfois, il n'y a pas les questions pour justement les inciter à se poser toutes les questions. Et c'est vrai que comme ils vont se poser les questions, ça me permet généralement de dessiner avec eux le plan du cours. C'est-à-dire que comme on va, à travers l'étude de cas, se poser toutes les questions et c'est quoi les difficultés, et en discutant autour du cas, on fait émerger toutes les questions. Et une fois qu'on sait quelles sont toutes les questions, on va pouvoir commencer à collectivement se poser la question de comment est-ce qu'on répond aux questions. Et du coup, qu'est-ce qui nous manque comme bagage théorique, comme outil technique pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est hyper intéressant comme icebreaker, plutôt quand on a des étudiants qui ont déjà un peu de bagage académique. Si on fait ça sur des étudiants qui sortent de lycée, qui sont habitués à ce qu'on leur donne des exercices pour valider qu'ils savent faire une intégrale, par exemple en mathématiques, là, ça peut être un peu plus compliqué. Mais il est clair qu'on peut, faire ça. Ce qui est aussi très intéressant comme pratique à l'IM, un autre exemple de radical learning, c'est qu'il y a un choix pédagogique assez intéressant, c'est que les étudiants de troisième année, dans le cadre du bachelor chef de projet digital, sont invités à encadrer les étudiants de deuxième année qui, eux, vont avoir des compétences techniques de développement web, de communication digitale, de direction artistique. Voilà, bref. Je ne vais pas faire toute la liste. Et en fait, ces étudiants de troisième année qu'on veut amener vers des postes de chef de projet digital qui vont devoir conduire le projet. Parce que la théorie de la gestion de projet, c'est bien. La théorie du management d'équipe, c'est bien. Mais quand vous avez un an de plus, voire 6 mois de plus que certains de vos camarades et que vous devez les amener en moins d'un semestre à répondre à un vrai projet client, faut expérimenter par des essais et des erreurs. Et parfois, c'est là aussi on se rend compte que ça marche très bien. Vous avez des étudiants qui sont passés une année avant dans le rôle de technicien pour faire avancer le projet, qui du coup vont pouvoir aussi accompagner les étudiants plus jeunes sur aussi bien l'avancement du projet que leur donner des retours d'expérience sur comment tu devrais faire ton code PHP pour que ça avance mieux, etc. Donc, c'est un élément très intéressant sur cette approche-là. Mais effectivement, ça fonctionne dans le cadre de l'IM, les étudiants d'année 3 qui accompagnent les étudiants d'année 2. Il y a des coachs qui sont là pour accompagner et s'assurer que tout se passe bien. Donc, il faut, c'est ce qui est marqué dans le chat, il faut effectivement un peu de patience, de l'accompagnement et pouvoir les accompagner. De l'autre côté, quand on décide de faire... Quand l'objectif, et moi, ça sert vraiment à un objectif pédagogique, c'est-à-dire, en fait, si je veux vraiment comprendre le cours, quels sont tous les points que je veux maîtriser et que je veux leur faire émerger, que je veux faire émerger des questions, puisqu'arrivé aussi en fin d'année, plutôt en fin de cycle, quand c'est au niveau master, on veut moins qu'ils aient des réponses toutes faites dans la tête que la capacité à se poser de bonnes questions. Et là, on peut faire du radical learning sur des approches un peu plus courtes. Ensuite, sinon, comme tout le monde, je pense que la pédagogie par projet, pour voir s'ils sont capables d'avancer, de se structurer de façon autonome, est très importante. Et ensuite, il y a toute une panoplie d'autres retours d'expérience. Mais c'est vrai qu'on peut envisager, et ça marche très, très bien en lancement de cours, non pas de faire cours puis cas pratique, mais vous commencez par un cas pratique au départ. Et vous voyez quels sont les étudiants qui ont déjà des bases. Et c'est vrai que ça permet aussi d'éviter parfois d'avoir des chevauchements entre votre cours et celui d'un collègue qui aurait pu aller plus loin que ce qu'on espérait ou pas assez loin. Et ça permet effectivement de rattraper, de remettre à niveau. On sait s'ils sont déjà en avance, s'ils sont un peu en retard, s'ils sont pile poil là où ils devraient être. Et on peut avancer de façon assez intéressante. Mais par contre, ça nécessite de l'enseignant de bien maîtriser son cours parce qu'il faut pouvoir s'attendre à toutes les questions faut aussi pouvoir s'adapter parce que si vous avez des étudiants qui sont déjà très très bons, vous êtes obligé de continuer sur des choses très très bonnes. Donc généralement, si on commence comme ça, je pense qu'on va plutôt être sur des cours, moi ces cours-là sont des cours où je vais principalement animer autour je vais dire d'études de cas et de blended learning où si les étudiants
sont désireux d'apprendre et de progresser, ils posent des questions, ils y répondent, on amène un bagage théorique une fois qu'ils ont tous vu et on synthèse de ce qu'ils ont fait et on avance sur la suite. Voilà. Ça marche très très bien, mais plutôt sur des publics, on va se le dire, un peu plus âgés qui ont déjà de l'expérience et qui sont capables de faire le lien entre des cours qu'ils ont eu avant et un cours de finance, un cours de marketing. Le calcul de cash flow, ça permet de calculer de la valeur à vie de client en marketing. Je n'y avais pas pensé au départ, mais c'est super intéressant. Voilà. Enfin, moi, je trouve que c'est très adapté. Et c'est aussi très adapté quand on fait du peer learning. Voilà. Mais là, pour le coup, dans le cadre de l'IM, c'est très encadré et c'est sur un temps long parce que ce n'est pas des chefs de projet efficaces. Et si on veut qu'ils arrivent à faire le projet, enfin, une forêt noire, l'exemple est sur 2 heures. D'ailleurs, je voudrais remercier l'équipe du MOOC qui pense qu'on est entre midi et 2. Donc, on a faim et que certains vont décider de faire plat et dessert, du coup. Mais on sait que là, voilà, je pense qu'un bon pâtissier fera sa forêt noire en moins de 2 heures. Mais on leur laisse 2 heures parce qu'ils ont besoin de temps. Et si on voulait faire du radical learning, je ne suis pas sûr qu'en 2 heures, on arrive à ce qu'on veut. Il faudrait peut-être prévoir 3 heures. Voilà. Mais les enseignements et les compétences développées ne sont pas que dans la forêt noire. C'est aussi dans les capacités d'apprendre à apprendre. Et c'est une capacité, on en parle tous, je pense, dans nos établissements respectifs, mais cet apprendre à apprendre, il est clair que là, ils sont au pied du mur. C'est soit ils veulent réussir et donc ils doivent commencer à apprendre, et les boucles de rétroaction vont aussi leur aider à comprendre là où ils auraient été plus efficaces, versus simplement mettre en application ce qu'ils auraient pu apprendre avant et faire un glaçage au chocolat comme on aurait envie. Quelqu'un a faim? Ouais. Merci Thierry de filer notre métaphore jusqu'au bout. Oui, tu parlais d'apprentissage par les pairs, hein, le peer learning, c'est hyper intéressant, mais aussi du fait de poser en fait un cas pratique en début de cours, ça te permet de te poser un diagnostic en fait sur les connaissances antérieures de tes étudiants et comment est-ce qu'ils vont du coup associer ces connaissances-là à ton cas et à ton contenu métier. Donc, du coup, ça te permet de proposer et d'individualiser tes parcours d'apprentissage pour tes apprenants, enfin plus ou moins, j'imagine, parce que ça doit être très, très chronophage pour de proposer une individualisation d'apprentissage en fonction de ton profil apprenant. Mais merci beaucoup pour ces retours, parce que c'est très concret et c'est très important d'avoir ces retours terrain. Alors... Il nous reste 10 minutes et c'est le temps du dernier sondage, rassurez-vous. Alors, le temps du sondage, sortez vos smartphones. Alors Benjamin, est-ce que tu peux nous mettre le i pour qu'on puisse flasher le QR code? Donc, vous n'avez-vous qu'à rafraîchir votre page sur votre smartphone. Alors... Non, tu peux ouais, redesserrer. Quelle approche pédagogique seriez-vous prêt à mettre en place dans vos classes? Donc, la première question, donc, le sondage antérieur, c'était vraiment qu'est-ce que vous mettez déjà dans vos classes? Et là, c'est après ce MOOC, après ce webinaire, après le retour de Thierry, est-ce que ça a pu vous donner des idées? Quelle approche est-ce que vous souhaiteriez maintenant mettre dans vos classes, pardon. Alors, l'approche par compétence, la PDA de projet, le radical learning ou aucune, parce que bah, décidément, ça vous convient ou ça vous n'a pas du tout convaincu. Alors, est-ce que tu peux appuyer sur le « i » et lancer le chrono, s'il te plaît, Benjamin, en appuyant sur le petit cadenas. Ok, c'est parti. Vous avez 50 secondes pour répondre. Ok, donc allez-y, vous pouvez vous connecter. Je ne sais pas si vous y avez accès, si ça y est, on commence à voir les réponses arriver, super. Très bien. Donc, on voit que le radical learning, qui était le plus petit la dernière fois, où il y avait très peu de gens qui l'avaient mis en place, commence à, enfin, vous intrigue en tout cas, et a l'air de vous plaire. Donc ça, on est vraiment ravis. C'est effectivement une pédagogie active qui est très intéressante et qui porte ses fruits sur l'apprentissage actif des apprenants. Hop, attention, il ne reste plus que quelques secondes. Et voilà, le quiz est fini. Alors, les résultats.
Donc, on a effectivement l'approche par compétence et la pédale projet qui sont vraiment corps à corps, hein, si je peux me permettre, et le radical learning qui prend le dessus. Mais on est ravis, en tout cas, que personne n'ait voté pour la quatrième proposition. bravo, et on est très contents, voilà, que ça suscite votre intérêt et votre engagement. Pour plus d'informations, vous pourrez déjà finir le MOOC, hein, pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place ces différentes approches pédagogiques dans la classe. Mais il y a aussi plein d'autres formations gratuites en ligne qui vous permettent de vous former sur ces approches-là, ou des formations payantes, hein, avec vos comptes formation, par exemple. Vous pourrez peut-être aller décrocher un nouveau titre RNCP à votre CV. Alors, pour finir, on va, puisqu'on y reste quelques minutes, on va te redonner la parole, Thierry, c'est pour le mot de la fin. Thierry, quel conseil pratique, hein, là on est, est-ce que tu pourrais nous donner et donner aux enseignants qui souhaiteraient proposer ces différentes approches pédagogiques dans leur classe? Là, on a vu qu'un certain nombre de personnes sont intéressées par le radical. Comment est-ce qu'on le met en place et quel écueil éviter? Quels conseils, quels outils peut-être est-ce que toi tu utilises? Voilà. J'aurais dû préparer les réponses. Voilà, c'est un bel exemple. Préparer les réponses. Non. Mon conseil, c'est peut-être de ne pas essayer de tout vouloir faire en même temps. Voilà, parce qu'en fait, oui, on peut tout mixer, mais si vous avez un cours qui fonctionne bien, sur lequel vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer d'intégrer quelque chose comme du radical learning. Ensuite, le radical learning, ça peut aussi être, qu'on a parlé de temps long un peu plus quand même, ça peut aussi être des choses à mettre si vous avez un projet collectif. C'est-à-dire que si vous devez redéfinir un cours sur lequel il y a plusieurs intervenants, etc., parfois on a une difficulté liée à l'hétérogénéité, que les intervenants, même s'ils partagent quelques supports de cours, vont avoir des discours légèrement différents parce qu'ils ont des expériences différentes, des appétences différentes, etc. Alors que là, quand on est dans le radical learning, en fait, on doit se mettre au service de la progression des apprenants. Et du coup, on est moins... on va plutôt gérer l'hétérogénéité des apprenants que l'hétérogénéité des enseignants. Et par contre, les points clés sur lesquels on veut passer, sur lesquels on veut faire des retours théoriques ou sur lesquels on veut arriver à un consensus avec les étudiants sont connus. Donc, c'est assez intéressant d'avancer peut-être à plusieurs sur du radical learning si on veut que ce soit bien fait. Voilà. Après, moi, j'avoue que les approches, sinon on a parlé un peu de Blended aussi qui nous rejoint, sur lequel on va être dans une pédagogie active avec les étudiants, fonctionne quand même très très bien. C'est-à-dire que dès que vous donnez la parole aux étudiants, et si vous réussissez à ce qu'ils l'apprennent, et voilà, ils s'approprient les cours et ça devient des cours beaucoup plus faciles à suivre parce qu'ils sont acteurs et donc on avance beaucoup plus facilement. Voilà. Après, par contre, si vous vous rendez compte que vous êtes sur un public qui n'adhère pas du tout, je pense qu'il faut revenir non pas aux cours très descendants, mais voilà, enfin, parfois c'est compliqué. Enfin, je pense que, je sais pas s'il y a des profs de langue dans l'assistante, mais parfois c'est difficile de faire parler des étudiants en anglais parce qu'ils ont peur de leur accent, parce que si, parce que ça. Et c'est des pédagogies où ils sont très en avance parfois sur le donner la parole et rendre actifs les étudiants, mais c'est compliqué et c'est pour ça qu'il reste des cours de grammaire anglaise, parce que parfois ça rassure l'étudiant d'être déjà bon à l'écrit avant de pouvoir se lancer à l'oral. Donc, peut-être un enjeu, c'est effectivement un point important, c'est être capable de mettre à l'aise les étudiants. Enfin, voilà, c'est un point important. Il faut peut-être mettre des règles, faut définir des règles pour que les étudiants n'hésitent pas à prendre la parole. Il faut quand même être très courageux quand on a 20 ans. Je pense que vous avez vu ça. Quand vous avez 20 ans, que vous êtes dans une salle de 30 ou même dans un amphi, voilà, enfin, c'est super facile quand on est enseignant de dire « Est-ce que quelqu'un n'a pas compris ?» Lever la main pour dire « j'ai pas compris », il faut quand même être courageux de reconnaître que contrairement aux autres qui disent avoir compris, ça avance. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi avoir accompagné cette pédagogie par les règles du jeu sur ou les règles de vie de classe, on va dire ça comme ça, sur lesquelles il faut laisser tout le monde s'exprimer, puisque c'est en échangeant tous ensemble qu'on va pouvoir arriver à des consensus
Et parfois, on n'aurait pas pensé à une solution individuellement, mais le groupe peut arriver à des solutions innovantes et qui fonctionnent. Super. Et, le fleu, je confirme, c'est compliqué. Nous sommes d'accord. Merci beaucoup Thierry pour tes conseils et ces retours. Alors, on arrive déjà à la fin de ce webinaire. Je voulais encore qu'on s'excuse sur les petits problèmes techniques qu'on a pu rencontrer, mais on est nous aussi dans du radical learning, puisque c'est la première fois qu'on fait des webinaires. voilà, on est dans l'essai erreur, c'est pas grave. Là, on a appris aujourd'hui qu'il fallait. Il y avait plein de petites choses techniques qui n'avaient pas eu lieu la dernière fois, mais dans ce processus itératif et aussi d'essai-erreur, on apprend. Et c'est sur ces bonnes paroles qu'on va vous quitter. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour le webinaire numéro 3, qui portera donc sur la modélisation et la scénarisation d'un syllabus, d'une séquence, pardon, selon la multimodalité. Donc, on reviendra du coup sur le blended learning, le multimodal et comment est-ce qu'on scénarise une séquence. Merci à tous pour votre participation, votre présence. Arnaud a répondu au fil de l'eau à vos questions dans le chat. Donc, si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Et sinon, je vous dis donc à la semaine prochaine pour notre rendez-vous hebdomadaire. Je garde encore effectivement le chat ouvert quelques instants et puis je vous réponds tout de suite. À très bientôt. Au revoir.